dans ce nouvel épisode de J'essaye ta caisse. Aujourd'hui, on va faire une des caisses les plus mythiques des années 80-90. C'était la GTI. Et là, on a affaire sans doute à une des plus belles. J'invite son propriétaire Rico avec moi tout de suite. Bienvenue. Salut Rico. Et merci, franchement merci. Et vous l'avez toute vue, vous l'avez toute reconnue, la fameuse Griffe. C'est beau, hein? C'est beau. On fait une minute de silence ou quoi? Ouais, je fais une petite minute de silence, ouais. Ouais. Non, une minute c'est trop, vous le savez. Je peux pas fermer ma gueule une minute. Donc elles sont sorties fin 90, je crois que c'était le salon en octobre, je crois. Ouais, voilà, salon de Paris, octobre 1990. 90. Ouais, et voilà. Fabriqué une seule année. Une seule année, donc ouais. Sur à peu près 5 mois, je pense. Donc, ouais, à peu près. On va dire, je sais plus, c'est septembre, octobre jusqu'à février. La plupart sont de décembre ou janvier. Après, il y en a peut-être qui ont été immatriculés un petit peu plus tard. Ouais, quelques-unes après. Je pense février, mars grand maximum, 91. 91. Voilà. Donc c'est les phases 2-2. Parce que les phases 2-1 qui étaient avant 90. Oui. Il y avait déjà les nouveaux tableaux de bord. D'accord. Nouvel intérieur qui était gris avant. Ouais. Passé en plus noir sur les phases 2-2. Ok. À partir de... En fait, c'est la dernière des phases. En fait, après, il n'y a plus eu de modification. En fait, ils appelaient ça toujours AM. En fait, AM, c'était à partir de juillet à l'époque. Oui, exactement. Les millésimes, c'était juillet. C'était juillet 90. Ouais. C'est une AM 91. D'accord. Modèle 91. Ok, très bien. C'est les dernières 205 en fait qui sont sorties. Je ne sais pas si c'est une légende, mais même Peugeot prétend que c'est la vérité. En fait, Jean Todt, à l'époque, qui était président de Peugeot Talbot Sport, puis après président de la FIA, donc pas n'importe qui, comme voiture de fonction, avait une 205 GTI 1.9 litre. Et il avait demandé à ce qu'on la personnalise, il se l'était personnalisée en fait, en vert et avec les jantes grises. Et là, t'as les mecs du marketing qui se sont dit, putain, il a du goût, c'est trop beau ce qu'il a fait. Et en voulant créer et célébrer une espèce de série limitée de la 205 GTI, et peut-être aussi un peu en l'honneur de ce mec, quand même, qui a fait quand même des prouesses pour Peugeot en sport méca, notamment avec la 205 T16 en groupe B, eh bien, ils ont reproduit quasiment la même, et ils se sont inspirés en tout cas de ce que lui avait fait pour créer la Griffe. Donc merci Jean Todt. Ouais. Sans toi, on ne l'aurait pas eu. Je crois que de mémoire, il voulait cette couleur, donc vert fluorite, et il voulait les jantes 1.9 litre. Justement, voilà. Mais couleur anthracite. Exactement. Et c'est ce qu'il avait fait. Voilà. Après, je ne sais pas s'il reste des options, c'est lui qui non, je pense qu'après Peugeot est allé plus loin. Ouais, non, a priori, la légende dit que c'était surtout couleur, jante, et qu'il voulait l'ABS. Voilà. Donc il disait l'ABR à l'époque. Oui, l'ABR, c'était le nom de Peugeot pour l'ABS. Voilà, il l'avait dit en français. Et alors là, tout de suite, avec Rico, on va rentrer dans le vif du sujet, un sujet tendancieux qui va faire parler. On va parler des chiffres. Est-ce que vous êtes prêts? Roulement de tambour. Donc les chiffres. Les chiffres. Donc je pense que c'était prévu par Peugeot d'en faire 3000. Voilà. C'est ça qu'on trouve souvent ce chiffre. Voilà, donc c'était prévu. Vous allez lire 3000 à beaucoup d'endroits. Je sais pas si c'était prévu ou pas, mais c'est vrai que je... C'est ce que Peugeot m'a dit, moi, c'était prévu. Voilà. Que normalement, c'était prévu. On trouve souvent ce chiffre dans beaucoup de trucs de bouquins, etc. Ouais. Exactement. Sur Internet, c'est beaucoup, on voit 3000. 3000, mais... À la finale, il y en a eu 1652. Voilà, que 1652. On a donc là une voiture rarissime sous les yeux. C'est beaucoup quand même. Bon, ça va. Oui, mais beaucoup l'ont cassé, donc c'est rarissime. Sur les 1 205 000, oui, c'est pas énorme. Ouais, voilà, sur 5 278 205. Et alors là, pareil, Peugeot, peut-être qu'ils ne savaient pas compter à l'époque, parce qu'on a vachement de mal à trouver les chiffres. Et alors, à ce qui paraît, plus de 300 000, peut-être même 330 000 GTI tout confondu. Mais là, pareil, difficile de trouver les chiffres. À ce qui paraît, il en resterait moins de 500. Et sur ces 1652, il y en aurait eu 1000 à l'origine prévus pour la France. Voilà. Mais... Donc, il y en a eu 1126. Finalement commercialisés. Françaises. Voilà. Enfin, commercialisées pour la France. Enfin, vendues en France, on va dire. Et 526 pour l'export. Pour les reconnaître, souvent, c'est taux grand. Voilà, exactement. Généralement, et elles sont catalysées, 122 chevaux. Ouais. Et un réglage aussi des phares... là, en dessous du ventilateur de gauche. D'accord. C'est comme ça souvent qu'on les différencie. Ce qui paraît aussi, il n'y en aurait eu que 2 avec le volant à droite. Donc elle avait le vert fluorite à l'origine. Et également ce qui change d'une GTI 1.9 litre normale, ça c'est en gris. Voilà, les baguettes. Gris foncé, les baguettes, parce que sinon c'est rouge. Alors les jantes, c'est pas celle de... Oh là Rico, tu vas te faire sabrer par les deux. J'ai les jantes d'origine, mais je préférais donc les PTS. On appelait ça les PTS, donc c'est Speedline PTS. Okay. Et d'origine, comme je disais, c'est des Speedline aussi. Parce qu'il y a trois marques différentes de Jean. Ah oui, là, faut qu'on explique bien. En fait, tu parles que pour l'1,9 litre. Pour l'1,9 litre, tu avais trois prestataires, trois fabricants. Voilà, trois fabricants de jantes. Voilà, donc elles ont toutes le même look. Ouais. Et c'est vrai que sur les GTI, alors sur les griffes, je sais pas si c'est par rapport aux années, mais c'était exclusivement des Speedline. Ça veut dire que Peugeot, dans l'histoire de l'1,9 litre, a changé de prestataire, de fabricant de jantes. J'en avais trois. Voilà. J'en avais trois. C'est bizarre, en général, on en a qu'un. C'est les mêmes jantes, à 200 grammes près à chaque fois. Ouais. C'est la même chose. Bon, par contre, ce que vous savez pas, c'est que Rico, eh ben, il en a deux des 205 griffes, et que la deuxième, par contre, elle est 100% stock. Origine. Voilà. Origine, celle-là elle est un petit peu rabaissée, les jantes d'origine. Mais t'as respecté l'esprit de 205 GTI en mettant des jantes Speedline et en la rabaissant. Voilà. Moi aussi j'ai rabaissé ma 205 GTI, moi aussi j'avais pas les bonnes jantes. Ça plaît pas à tout le monde, mais bon, moi j'aime bien. Oui, mais on s'en fout, de l'autre côté en plus t'as une vraie stock. D'origine elle est très très haute, c'est un peu un 4x4. Ça c'est les pneus d'origine. Ouais. On avait tendance à l'époque à... En fait on fait le contraire maintenant. Avant, on voulait des tailles basses et du coup, bah, je préfère du coup la taille d'origine. Ça fait les un peu gros boudin, ça remplit bien. Exactement. Sur une GTI classique qui a écrit 1,9 litre GTI ou 1,6 litre ou GTI, voilà. Là, ils ont enlevé donc la cylindrée et mis que griffe. Ça. Ah, et vous savez d'où vient le mot griffe? Alors, il y aurait deux histoires, mais a priori, la plus fiable, Peugeot l'a pas spécialement inventé ou comme ça, rien que pour elle. En fait, au Salon de Genève en 1985, Pininfarina a sorti un concept car inspiré de la 205, qui est très spécial d'ailleurs, ce concept car, qui s'appelait Griffe. Donc voilà, donc ils ont repris le nom Griffe. Et puis c'était resté aussi un petit peu après. Oui, pour le club, il y avait une espèce de club aussi. Il y a eu d'autres modèles qui s'appelaient Griffe aussi après. Oui, il y en a eu d'autres plus tard. Ouais, beaucoup plus tard. Mais bon, ça n'a pas été inventé pour elle. Voilà. Ensuite. À l'arrière, tu disais, vu qu'on a la toute dernière génération, donc du dernier facelift au restylage, il y a les feux bicolores. Les feux phase 2, donc on appelle ça. Et le feu de recul descend en bas à droite de la plaque d'immatriculation. C'est ça. Et comme tu as respecté la tradition, le fameux Deville. Le fameux pot Deville. Voilà. Alors pourquoi Deville et pas un autre? Parce que en fait, ça a toujours été le pot que j'aimais bien à l'époque, ouais. Surtout sur les R5 GT Turbo, les Turbo 2. D'accord. Ils avaient ce fameux cône et j'ai toujours trouvé ça... C'était à la mode dans les années 90 en fait. C'était pour moi le pot... Ouais, c'était voilà. Le pot à avoir. Alors j'ai une petite référence pour le groupe N. Ça c'est le inox homologué. D'accord. Et t'as aussi le groupe N qui est un petit peu identique, sauf qu'il est en acier. Oui. Donc la gamelle est noire. Ouais. Et en fait t'as pas ce petit bourrelet à l'intérieur. Tu veux dire ce petit arrondi là, voilà, qui est très joli, moi j'adore. J'ai les deux. T'as les deux. Et je sais pas encore, voilà, j'ai laissé celui-là, mais... Bon, en fonction de ton humeur, tu vas changer. L'autre, voilà, c'est question de goût. Place à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur. La deuxième minute de silence. Ah ouais. Putain, c'est fou. C'est fou. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qui est particulier à la griffe? Bah, la moquette grise. Déjà. La moquette grise qui a priori aussi était un peu plus épaisse que la rouge des 205 normale, à ce qui paraît. À ce qui paraît, mais je pense que c'est un peu pareil. Normalement là c'est rouge, et là donc du coup c'est devenu gris. Voilà. T'as les rétros qui sont dégivrants. Ah oui, rétro dégivrants. Ils ne sont pas sur le GTI classique. Et elle a la direction assistée. Voilà, c'est ça. Voilà, mais par contre elle n'a pas la clim parce que les deux... C'était pas trop compatible niveau place, je pense. Voilà. Je crois que c'est ça. Ça rentrait pas sous le capot. Alors c'est ce que j'ai beaucoup lu. Mais il me semble que ça a quand même existé sur certains modèles d'avoir les deux en même temps. Bah peut-être sur la Gentry du coup. Non, elle n'a pas la DA et la clim. À vérifier, je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas. On a toujours l'art aussi d'aller parler de bagnoles qu'on n'a pas sous les yeux. C'est compliqué au bout d'un moment, on ne peut pas tout savoir. Et les sièges donc, gris anthracite. Ouais, voilà. Elle a un nom. Le fameux gris ouragan. Gris ouragan. Fluorite et ouragan. Et griffe. Donc avec les coutures vertes. Et les coutures vertes de comme la carrosserie. T'as le volant donc standard GTI, sauf que les coutures sont vertes aussi. Et sur un volant donc de GTI classique, les coutures sont noires. Sont noires. Ouais, voilà. Elles sont pas rouges, elles sont noires. Ouais. Et le GTI du centre du volant a toujours été rouge par contre, peu importe le modèle. Ouais, peu importe le modèle, ça reste rouge. Le levier de vitesse, c'est donc aussi écrit sur le pommeau, en vert. Les pare-soleil qui sont éclairés. Rétro-éclairés et miroir de courtoisie. La lumière fut côté passager aussi, logiquement. Voilà. C'est la classe ou c'est pas la glace? Et alors Rico, il a du goût et il a pensé à un truc génial. Hop, le parfum de l'époque. Et oui, c'était beaucoup plus à la mode que les petits sapins à la con. Ah, ça c'est bon. C'est arrivé après les sapins à la con. L'autoradio d'origine était une option. Alors toi, t'en as un qui n'est pas d'origine, moderne, mais c'était une option, ce n'était pas de série sur le modèle monté. Tu l'as refaite de A à Z. Ouais. Raconte-nous, tu l'as acheté quand? Je l'ai acheté, je l'ai trouvé en décembre 2017. Ouais. J'étais cherché en janvier. C'était déjà assez compliqué à trouver. Oui, je me doute. Je me doute. 3-4 ans que je regardais les prix, que je cherchais, etc. 3-4 ans pour trouver. Et c'est vrai qu'il est rare d'en trouver en annonce en fait. Ouais. Là, on en trouve un petit peu plus maintenant. Ah bon? Comment ça? À mon avis, c'est le fait que les prix ont grimpé. Ouais, il y en a qui se disent j'ai besoin d'oseille, je vais la vendre. Mais avant, quand on avait une en vente, c'était une par une et assez espacée, c'était assez rare. Donc j'ai été la chercher donc à Toulouse. Elle était relativement propre visuellement. Ouais. On a commencé avec une panne de ralenti qui m'énervait. C'est bizarre, c'est pas une panne classique sur les 205 GTI. Comme d'habitude. Ouais, le truc basique. Et du coup, je me suis lancé là-dessus un soir et en fait, j'ai commencé à démonter 2-3 pièces pour accéder à ce. C'est un petit boîtier qu'on appelle le tiroir d'air additionnel qui régule en fait le ralenti. Oui. Quand tu démarres à froid pendant 1 ou 2 minutes, ça te le monte à 1400-1500 tours et après ça redescend. Et après ça le stabilise. Ouais. Et donc j'ai voulu démonter cette pièce pour la tester, etc. Ouais. Et en fait en démontant, j'ai vu que tout était pourri. En fait je me suis jamais arrêté et ça a duré 5 mois. J'ai désossé le moteur en pièces détachées pour tout refaire de la zone. Pour tout refaire. C'était la deuxième étape. Ouais. Désossé exactement pareil, hein, toute la carrosserie. Entièrement, t'as tout démonté, c'est-à-dire t'as démonté les baguettes, les plastiques, tout. Mis complètement à poil, résoudre tous les petits défauts en fait, d'origine en général ça se dessoude à ce niveau-là. Oui, ça se dessoude là, exactement. Donc là ça a été un petit peu repris mais c'était pas trop dessoudé. Ouais, ça craque là-haut. Ça craque ici. Ah t'as toujours une fissure là. Ouais, alors les gens pensent que c'est la caisse qui fissure mais ça c'est un joint en fait. D'accord, c'est un joint. C'est un joint de carrosserie en fait qui fissure donc c'est tout à fait normal. D'accord. Combien de temps en tout finalement? J'ai été assez rapide. Ça a été vraiment tous les soirs et tous les week-ends. Ah ouais, t'es à fond dedans quoi. Ouais, pour le moteur j'ai dû mettre 4 mois. Ouais. Donc, tu n'as fait que le restaurer ou t'en as mis un neuf? Comment? Ah non, je l'ai restauré, j'ai remis que de la pièce neuve. Que de la pièce neuve. T'as réussi à trouver les pièces? Oh putain! Tu retrouves tout. Tu retrouves tout. Ah j'avais oublié que ça c'était génial ce système. Hyper intelligent, j'avais oublié que sur mon capot c'était comme ça aussi. Ah, c'est la classe, il n'y a pas besoin de mettre là. Mais oui, il n'y a pas la baguette à la con là. Oh, mon Dieu! Alors tu retrouves toutes les pièces. Hein. Alors attends, je suis sûr qu'on risque de se faire chambrer. Pourquoi ta traverse est crème? Alors ça c'est d'origine. Donc d'origine la traverse est crème, hein. C'est pas qu'il a pas peint la traverse. Alors ça c'est comme ça d'origine. Hein. C'est une grande question. C'est vrai que tu as pas mal de modèles où elle était noire. Ouais. Donc, je sais pas si c'est selon les années ou les millésimes. Mais sur la griffe. Mais sur la griffe en tout cas donc de cette génération 90-91 c'est crème. C'est quoi ça? Alors ça c'est le code couleur. Ça c'est le code couleur du fluorite alors? Du fluorite. Et en fait j'ai appris quelque chose il n'y a pas très longtemps. Ouais. Quand j'avais démonté donc la face avant etc, que j'avais mis tout à poil. Oui. À ce niveau là sur la caisse, il y avait 2S marqué au marqueur. Ok. Donc, moi à l'époque j'ai trouvé ça, je dis tiens la voiture elle a dû taper ou il y a eu un truc. Ou ah ouais, c'est quelqu'un qui a écrit après un carrossier, et en fait, une pièce. Toutes les griffes en chaîne. T'avais un technicien qui marquait toujours ces fameux 2S pour signaler le MOSS de la couleur en fait. D'accord, pour savoir que cette pièce allait sur une griffe MOSS, il mettait 2S. Il mettait 2S. D'accord, c'était un code à l'usine. Ok, d'accord. Bon, ça c'est une découverte que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Oui, mais j'aime bien ces petites histoires. Moi. Au fait, on a dit un litre 9, mais putain, on n'a même pas parlé des chevaux. Alors les chevaux, bah... Soi-disant 130 chevaux. Soi-disant 130 chevaux. Pour la plupart, je pense qu'elles en font beaucoup moins, mais je pense que c'est à peu près dans les 120, 122. Ouais, tu crois que ce serait pas. Ouais, alors ça veut dire que les katas, ils auraient encore moins alors? Je pense, ouais. Oh, là, on va en décevoir beaucoup, hein, si on a dit ça. Alors c'est 130 chevaux, on va dire 130. Est-ce qu'on va rouler ou est-ce qu'on va pas rouler? On va rouler. On va rouler. Titine est chaude. Bon. Bien chaude. Bien chaude. Alors ça a attrapé des souvenirs quand même. Putain, 20 ans en arrière. Et on peut le percer tout pour qu'il sente. Toi tu l'as pas percé pour le garder. C'est ça. Et peut-être parce que ça pue aussi, non? Je pense. Oh mais putain, ce bruit d'ouverture de fenêtre aussi. Et ce bruit de... fermeture de porte. Exactement. mais j'avais vraiment oublié qu'on était assis si haut. Moi j'avais l'impression qu'on était beaucoup plus... Ou alors c'est parce que tes sièges sont neufs. Peut-être. Et que moi la mousse elle était affaissée. Oui, ça doit être ça. Comment on sent toutes les vibrations et tout. J'avais oublié tout ça. Par chauffer aussi un petit peu les pneus quand même avant de... Hein. Oui c'est vrai, mais elle est quand même précise la commande, tu vois. C'est un petit peu long, mais c'est précis. Ça manque de consistance peut-être. Oui. Là ça passe très bien, trop. Ouais, trop bon, là, bien. Tout a été refait aussi dans la boîte. Ah oui, du coup t'as refait aussi toute la boîte. Ouais, un pote chez Peugeot qui a tout démonté, tout refait de A à Z. Putain. Eh, ça doit être hyper rassurant d'avoir une telle caisse, mais tu sais, arrête de neuf. Ah, en fait le but c'était de rouler. Comme je t'ai dit, j'ai fait 10 000 bornes en une année. C'est énorme, ouais. Parce que voilà, le but de tout refaire c'était vraiment pouvoir aller où on veut, sans problème. Sans souci, ouais voilà, sans inquiétude. J'avais toujours la caisse à outils, j'avais, bon, quand tu refais les choses toi-même, tu n'as jamais fait. Mon coffre il était toujours plein moi de ma 205. Toujours une petite caisse, des outils. Toujours, parce que tu roules au Nürb avec. Oui. Putain. En fait le Nürb il me fait peur. Ouais, je comprends. Je fais de la piste sur les autres circuits. Ouais. Mais le Nürb du coup, je pense qu'il faut le connaître. Oui, et c'est. Mais comment tu veux mémoriser moi, autant perso, de virages? On y va une fois par an depuis 3 ans, 4 ans. Moi je fais 2-3 tours et ça suffit, tu vois. Ouais. Il est fatigant en plus, hein, il est éprouvant hein, pour physiquement. Pour le mémoriser, c'est. Bon, sinon faut faire de la console, tu vois. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, quelles sont les faiblesses d'une 205 GTI? En termes de mécanique? Mécanique, ouais, ouais, mécanique, je parle. Alors souvent le débitmètre, moi j'ai jamais eu ce problème là, même sur cette. C'est vrai, moi je l'ai eu. Ouais. Les débitmètres, moi le problème que j'avais eu à l'époque c'était un problème d'allumage. Et on a mis beaucoup de temps avant de le retrouver, c'était le module. D'accord, ok. Le module qui est fixé sur une plaque. Ok. Et souvent le jus ne se fait pas entre les deux plaques. D'accord. C'est pour ça que tu as un petit produit des fois à mettre ou pas. Ok, une sorte de petit contacteur un peu. Voilà, ouais. Et des fois en fait ta voiture marche très bien et une fois que tu fais un, je sais pas, un bouchon ou pas, ouais. Dès qu'elle chauffe, c'est fini, ça marche. C'est fini, ok, il n'y a plus de contact. En fait, c'est que des pannes à la con que tu galères à trouver. Ouais, tu connais pas et voilà. C'est une vieille Peugeot, ça fuit. Ça fuit? Ça quoi? Ça perd de l'huile? Bah, au niveau du carter, t'as plein de fuites, etc. Ça, c'est traditionnel. Ouais. Là, ça fuit pas encore, mais ça refuira un jour. Ça refuira un jour, oui. Après, bah, il n'y a pas trop de défauts mécaniques. Ouais, pas de... À part le débitmètre, je pense. Ouais, c'est tout. C'était un peu... C'était quand même des moteurs costauds, non? Moteur, ouais, c'est costaud. Ouais. Le bruit, il est après 4000. Après 4000? Ouais. Ouais, là. Alors, quand tu roules en atmo, c'est génial. Tu veux toujours le après 4000 pour le bruit? Ouais. Et quand t'as un turbo, tu veux après le 4000 pour la pêche. Pour, ouais, pour la patate. Oh putain, c'était bon. J'ai vu là cette fameuse série limitée, celle qui s'appelait Le Mans. Le Mans, la bleue, Miami. Ouais, 84 exemplaires. Les gros trucs sur le pare-choc là, le volant en bois. Ouais, alors le volant en bois un peu, ouais, c'est bizarre. On aime, on n'aime pas. Ouais, ouais, ouais. Je crois que t'as la fameuse râpe, on appelle ça derrière, tu sais où il y a les monogrammes. Oui, d'accord. Qui est rouge. Oui, c'est comme si c'était la continuité des feux. Peugeot, je crois. Ouais, voilà. Finalement, c'est peut-être elle, la série limitée, entre guillemets, la plus rare de la 205 GTI, puisque... Je pense qu'il y en a beaucoup moins. Ils ont dit 84. Si les chiffres sont bons, c'est quand même dingue de se dire qu'un constructeur français a fait des séries limitées mais pour la Suède. Oui, pour la Suède. Non mais comme si Saab à l'époque allait sortir des séries limitées pour la France. Non mais... Alors ouais, la Suède du coup, il y a certains pays où justement eux avaient justement direction assistée et crime. Ouais. Donc eux ils ont réussi à avoir les deux. Pour la Suède peut-être pas, je sais pas mais... Ouais. Alors ils ont adapté les options par rapport au pays. Alors que nous, là, on dit que soi-disant, il n'y avait pas la place sous le capot. On nous aurait menti, quoi. J'en sais rien. T'as Peugeot trop de secrets pour l'époque, hein. Ça va pas du tout, hein. Pour moi, ça rentre, hein. Bon bah alors, Rico, il a dit que ça rentrait. T'enlèves le cric, il y a de la place. Voilà, pas besoin du cric, tu le mets dans le coffre. Les freins, t'as laissé d'origine aussi, hein. Les freins, c'est d'origine. Ouais. C'est des disques. C'est le seul truc que j'ai pas encore changé, qui était prévu, mais... Ah, tu vas peut-être les changer, oui? Oui, j'ai déjà tout. Tu vas mettre quoi? Du... Non, bah c'est du Brembo, bon, classique, hein. C'est pas... D'accord. Ça sert à rien. Mais juste peut-être pour avoir un petit peu plus de mordant, peut-être. Ouais, puis pour que ce soit neuf surtout. Ouais, que ce soit neuf. Voilà. Oui, ok. T'as oublié le côté maniaque. Oui, non, j'ai pas oublié. D'être à deux voitures et elle s'est remise droite et j'ai fait oh oh bah tu t'arrêtes, tu vas fumer une petite cigarette et puis, putain exactement, c'est exactement là le premier tête à queue que j'ai fait la même chose, je me suis arrêtée à l'arrêt de bus après, j'ai fumé une clope, j'ai fait oh putain j'ai rien cassé, tout va bien. Tu vois, dans les virages ouais. Comme ça, tu vas prendre beaucoup de vitesse. Faut déjà que tu essaies de taper un peu la 2, tu vois. Ça te permet d'avoir un petit peu plus de place. Déjà, hop, je teste bien les freins, j'ai oublié. Et puis, il faut pas que j'oublie aussi que le transfert de charge, là, pour apprendre à conduire et savoir ce que c'est qu'un transfert de charge, c'est la voiture idéale. Tu peux en mettre la 2, là, par exemple. J'ose pas encore, laisse-moi le temps. Hein. Et tu peux, ouais. C'est vrai, j'ose pas violenter les mamies, moi. Je peux, là. Oui, tu peux, tu peux. D'accord. Putain, c'était génial. En plus, t'as l'impression d'aller vite. Mais oui. Mais on n'avance pas, hein. Mais voilà. Ça, c'est comme quand je ressors d'un péage. T'enchaînes première, deuxième, troisième, quatrième. Et d'un seul coup, tu regardes le compteur. 110. J'exagère, mais c'est un peu ça. T'es à 130, 140 et... C'est vrai que t'as beaucoup d'émotions sans aller spécialement vite. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Ah, c'est mieux. Voilà. Voilà, vas-y encore. Voilà. C'est limite plus agréable à 6000, tu vois. Oui, c'est plus agréable, mais attends, j'ose passer pas mal. Elle est tellement belle. Moi, j'ai qu'une phrase à te dire. Oui. Qui casse paye. Oh putain. La pression. J'ose même pas imaginer combien ça coûte. Voilà, en deux, c'est mieux. Et du coup, tu peux taper. Il a boum 2. Oh, quelle caisse mythique. Et vu que t'as pas trop de puissance, tu vois, au moins tu peux repartir. Exactement. À Peugeot, c'est qu'ils ont un savoir-faire en rallye et en voiture de compétition de malade. Et depuis 15-20 ans, ils ont arrêté de l'exploiter sur leur voiture de série. On va dire que je vais préférer la 308 esthétique. Ah oui, ça, oui, oui, oui. je préfère aussi. Mais pour moi, la Mégane RS reste la meilleure voiture à tout faire. Exactement. Et moi, j'aurais adoré que Peugeot, par exemple, donne une réponse, une réponse à la Trophy Air. Ouais, mais il n'y a rien eu depuis. Ils n'ont rien fait. Tu te rends compte qu'ils ont limite eu honte du mot GTI pendant des années, puisqu'ils l'ont appelé RC. Parce que GTI, ça faisait racaille pourrie dégueulasse de la route rebelle. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont revenus au logo GTI il n'y a pas longtemps en fait. Oui, puis c'est fini maintenant. Quand même. Un petit peu. T'as fait un 6005 ou je sais pas combien, je sais plus. Je t'avouerai que je regardais devant moi. Je me chauffe moi aussi. Bah ouais, chauffe-toi. Et je t'ai chauffé les pneus moi. Je t'ai chauffé l'huile de boîte aussi. C'est une super caisse. J'adore. Bruit, c'est génial. En fait, finalement. Encore une caisse que j'aurais préféré essayer sur le sec. Ouais, là t'aurais pu. En fait, j'aurais aimé qu'elle soit moins belle. J'aurais eu moins peur de l'abîmer. Ça revient au même pourtant. Hein. Oui, mais t'as tellement raison.